Comment ça va? Et toi mon grand? Tu vas bien? Bah écoute, très très bien. Alors? Je vois que tu es toujours en train de t'entraîner pour... Là c'est les dernières préparations de l'Ultra Mirage, oui. Comme je t'avais expliqué. Donc l'Ultra Mirage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grosse course en Tunisie. Donc une course internationale qui se passe dans le sud de la Tunisie à Tozeur. Donc Tozeur, c'est les portes du désert. Donc c'est une course qui de 100 km, donc c'est un ultra-marathon qui se passe spécialement dans le désert et dans un lac salé en fait, c'est le Chott El Djerid. C'est un super endroit magnifique où notamment il y a le décor de Star Wars. Donc on va vraiment partir dans une ambiance déjà un peu haute dimension. Mais tu as déjà participé ou... Oui, donc là ça va être la deuxième participation, c'est la cinquième édition de l'Ultra Mirage. D'accord. Et puis justement je voulais lier cette super course ultra marathon pour une cause qui m'est très chère, c'est l'autisme. Donc j'ai envie de représenter cette année l'association Saisipa dont tu es le président. Donc, explique-nous un peu le but de cette association. Eh bien, écoute, très bien. En fait, cette association, elle a pour but de créer un accueil de jour pour enfants et adultes autistes. Parce qu'il y a un manque cruel de centres et donc les familles sont démunies. Et on a pour projet, on espère pour 2022, on doit acheter une ancienne école maternelle où on va rénover et on pourra accueillir justement tous ces personnes avec autisme, soit enfants et aussi adultes. D'accord. Donc je tiens vraiment à te remercier d'avoir pensé à nous. Écoute, moi déjà l'autisme c'est quelque chose qui m'est cher, donc déjà voir votre projet déjà se faire et se réaliser dans le futur, c'est quelque chose pour moi qui m'est très très cher. Et justement, courir justement et me dépasser, parce que c'est au-delà d'un marathon, c'est un ultra-marathon qui va se faire dans la chaleur, sur le sable, et donc c'est des conditions extrêmes. Et justement, rentrer dans une autre dimension par rapport à l'autisme aussi, c'est vraiment se mettre à la place de ces enfants, de ces jeunes, de ces adultes autistes. Eux-mêmes sont dans une autre dimension en fait, mais leur quotidien n'est pas facile tous les jours. Donc moi, me mettre justement, lier cette course et essayer justement de comprendre un peu ce handicap. Est-ce que moi je vais être handicapé par les éléments? Est-ce que je vais être handicapé par la chaleur? Est-ce que je vais être handicapé par le sable? Ça je ne sais pas, malgré que j'ai déjà fait la course. Parce que tu seras livré à toi-même. Là je vais être livré à moi-même parce que je le fais seul. Justement, c'est la deuxième édition et comme on dit sur une deuxième édition, on a envie de se surpasser plus. Bien sûr. Donc essayer de battre mon record. Qui était de 17h, c'est bien ça. Qui était 17h et représenter au mieux la France, puisqu'on court pour la France, et justement représenter ces IPA. Donc je te remercie de me faire confiance. C'est, c'est le plaisir est aussi partagé. Écoute, tu as bien résumé, tu vois, la situation du handicap de l'autisme. Et je pense qu'on va te soutenir, mais de toutes nos forces. Et j'espère qu'on sera nombreux et nombreuses à pouvoir soutenir justement Yacine dans cette épreuve qui est pas évidente. Et on espère que pour chaque kilomètre parcouru, on attend de vous des dons. Des dons, et puis comme ça va montrer que c'est un encouragement pour Yacine et en même temps, pour nous, ça montre que vous êtes intéressé par ce projet, vous êtes surtout concerné par ce projet. Voilà, et puis donc j'espère que cette école va se réaliser et que tout le monde sera accueilli, les familles notamment, parce qu'il ne faut pas oublier les familles, parce qu'il y aura aussi un accueil pour les familles, pour les soulager un peu. Et ben, c'est ce qu'on appelle un salon de répit où les parents sont tellement jugés que le fait de se retrouver entre eux et de pouvoir échanger, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a pensé aussi aux fratries, c'est-à-dire papa, maman, ouais, mon frère, ma soeur est un handicap, d'accord, mais nous, elle est où notre place? Donc là aussi, on va mettre en place des activités, on va faire de l'insertion professionnelle pour les jeunes de quartier, pour ceux qui ont un handicap, ce qu'on appelle le RQTPH. Donc c'est tout ça qui fait que derrière, on va pouvoir aboutir. Et puis là, on est bien parti, on est soutenu, on a des partenariats vraiment extraordinaires. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site
saisipas.com et sur nos réseaux sociaux. En tout cas, merci pour ce que vous faites aussi, l'association.